sabotage pas l'écoute. On avait comme deux tendances. L'idée que c'est un froid, il suffit d'intellectualiser le débat. Et l'idée qu'après, il fallait être un peu dire ce qu'il y a à faire, se donner des consignes précises, être un peu dogmatique, et exiger de tout saisir, et que notre collègue n'ait pas été là pour en débattre. Donc on a un peu séparé en deux morceaux. On irait d'abord sur ce qui ressemblait beaucoup à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'idée du dogmatisme, de se sentir au-dessus des choses. Alors les bonnes raisons qu'on a trouvées, c'est qu'on va élever le débat parce qu'ils n'y comprennent rien, donc nous, on est experts, c'est normal qu'on y arrive, qu'on s'amène du temps. Ok ? Voilà. C'est la peur de ne pas attendre de diviser, parce qu'on s'est fixé d'objectifs, le temps passe, ça avance pas, il faut qu'on prenne la main pour dire quoi faire, quoi dire, quoi penser. C'est l'idée, du coup, on va être pris au sérieux, notre expertise va être un peu reconnue en creux dans l'histoire. La bonne raison, pas de donner débat. On va être pris au sérieux par peur de passer à l'action. Ah oui, par peur de passer à l'action, c'est-à-dire toujours dans le discours et de dire bon. Voilà, cette idée-là. Alors, ça, on a eu pas trop de mal pour trouver les bonnes raisons. Après, là, ça a été plus compliqué, parce qu'on a juste trois petits post-it. Alors, bon, il y a une valeur qui apparaît là, qui s'appelle démagogie, mais peut-être que vous pouvez laisser commenter. C'était difficile, ça. C'était une question d'ego aussi. Hein. Oui, une question d'ego aussi. C'est compliqué de définir une valeur par rapport à ça. C'est les valeurs démocratiques, en fait, ou le détournement des valeurs non démocratiques. Des valeurs non démocratiques. Voilà. On a eu peu de mal quand même à placer les valeurs. Si je prends les premiers, pour moi, c'est le premier principe, donc première bonne raison que tu cites, c'est de dire on veut que ça avance. Oui, utilitarisme. C'est pour moi, c'est voilà, la valeur, c'est l'utilitarisme. Il faut être efficace, on use l'efficacité. C'est quelque chose qui tourne autour de ça. Le terme exact de la valeur, c'est pas très important, mais un peu, mais ça, on se met d'accord. Pour être efficace. Que ce qui est important. Pour être efficace. C'est ça, c'est qu'il faut être efficace. On voit bien que la personne qui fait ça, elle a envie d'être efficace. Et ça rajoute l'idée qu'on se sent au-dessus quand même. Oui. Et ça, c'est pas la seule organisation. Ça n'est pas quelle valeur dire, de se sentir au-dessus. Alors moi, j'ai mis un truc, c'est bien de se sentir au-dessus des autres. Ouais. C'est l'ego, en fait. C'est cette idée de ramener. Voilà. Il y a aussi ça. Quel plaisir j'ai de se mettre au-dessus des autres, sachant qu'ils ne pourront rien faire. La reconnaissance de son statut, quand on a un statut, une sorte de légitimité aussi. Oui, ça croise la légitimité. Et après, il y avait l'idée, pour être amusé avec ça, de despote éclairé. Voilà, c'est pareil, c'est l'idée qu'il y en a un qui sait, quoi. Mmh. Et un qui sait qui essaie de. Même s'il est empathique par rapport aux autres, en fait, c'est lui qui sait. C'est peut-être ça. C'est lui qui a la vérité, qui détient la vérité, c'est peut-être ça la valeur. C'est celui qui détient la vérité. Voilà, à peu près nous, ce qu'on a vu. Ça croise beaucoup de celles que j'ai l'impression. Oui, c'est ça, mais eux, c'est plus riche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ça se croise beaucoup. Ok, merci. Et voilà. Le manque de temps, là. Du genre, ça fait assez longtemps qu'on parle du sujet, maintenant... Oui, on risque de battre l'objectif, en fait, c'est ça. Lancer un peu l'action, perdre du temps. C'est l'efficacité. Oui, l'efficacité, mais il y a aussi la patience ou l'impatience. Et en fait, finissons-en, quoi. Il y a la dictature du fait que le concret, voilà, il faut qu'on aboutisse. Je sais pas, la patience, c'est pas le principe. Il faudrait être patient. Oui, c'est le principe qu'on peut dégager. C'est le principe qu'on peut dégager, en fait. Il faudrait être patient. Oui. Et on peut commencer à inventer des choses, à mon avis, à droite. Ok. Tu es au tableau ou à droite ?